Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a respecté la tradition une fois de plus en présidant la cérémonie de remise des prix d'excellence aux élèves qui se sont distingués lors du baccalauréat malien saison de juin 2024. Dans son discours, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané, a salué le mérite de ces jeunes élèves. Chers lauréates, chers lauréats, votre sacre d'aujourd'hui intervient à un moment où notre système éducatif est à la croisée des chemins, à un moment où il a besoin d'exemples, de modèles. Vous êtes de ces modèles-là. Les jeunes du Mali vous regardent. À la croisée des chemins, disais-je, nous avons choisi la voie qui conduise à l'affermissement et à l'affirmation, à la réussite de ce système éducatif. Malgré leur jeune âge, les 160 lauréats issus des écoles publiques et privées du pays et de toutes séries confondues, par la voix de leur porte-parole, promettent d'honorer le drapeau national. Au nom de tous les lauréats du baccalauréat 2024, je voudrais lui dire un grand merci. Je voudrais lui donner aussi l'assurance que les sacrifices consentis par nos parents et nos enseignants ne seront pas vains. Nous sommes jeunes, certes, mais nous sommes conscients des défis auxquels le Mali, notre pays, fait face. Nous nous engageons à mériter l'honneur que nous est fait d'être accueillis ici ce jour. Nous ferons ici partout avec bonheur le drapeau du Mali. Vive l'école malienne! Le président de la transition, après avoir écouté les interventions, a félicité les lauréats et leur a prodigué des conseils pratiques pour leur avenir dans la construction du pays. Chers lauréates, chers lauréats, vous êtes les ambassadeurs de l'excellence malienne. Votre parcours jusqu'ici a été jalonné d'efforts et de sacrifices. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de la nation qui reconnaît vos mérites, mais ce n'est qu'une étape. En entamant ce nouveau chapitre de votre vie, je vous exhorte à continuer de croire en vous, à faire preuve de courage, de persévérance et d'humilité. Soyez des exemples pour les autres, inspirez votre entourage pour votre détermination et votre résilience. Le Mali s'appuiera sur vous pour bâtir un futur meilleur, pour hisser notre nation au rang qu'elle mérite dans le concert des nations. La cérémonie de remise des prix d'excellence s'est achevée par une photo de famille réunissant les autorités présentes et les lauréats.